Le Premier ministre ivoirien est à Washington depuis quelques jours. Il doit y prendre part au sommet sur l'AGOA. Avant ce sommet, le chef du gouvernement ivoirien a pris part à une rencontre internationale sur la stratégie de lutte contre la faim et l'évaluation de la pauvreté en Afrique. Cette rencontre est organisée par l'ONG Partenariat contre la faim et la pauvreté en Afrique. Le point avec notre envoyé spécial à Washington DC, Alvaro Assa. La première journée de ces rencontres entre les représentants des pays africains, les bailleurs de fonds, les organisations non gouvernementales et le gouvernement américain est consacrée à la sécurité alimentaire, la lutte contre la réduction de la pauvreté sur le continent africain. Rencontre à laquelle a participé la Côte d'Ivoire avec une délégation conduite par le Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays béni des dieux parce que nous avions une terre fertile, nous avons l'eau, nous avons le soleil. Le gouvernement s'est résolu à prendre à bras le corps le problème de la cherté de la vie. Ce problème de la cherté de la vie a des causes internes et des causes externes. Mais nous préférons attaquer le problème sur le plan interne. Il est annoncé que cette année, il y a 18 millions de personnes qui seront frappées par la faim dans l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez le drame de cette situation. Il faut anticiper, c'est dans le cadre de l'anticipation que nous participons à ce sommet où le gouverneur du district a un exemple exceptionnel de partenariat public-privé. Tous les bas-fonds rizicoles qui ont été abandonnés pendant ces 10 dernières années seront réhabilités pour pouvoir répondre, sinon riposter, au problème de la famine en Côte d'Ivoire. Il y a un investissement de 10 millions de dollars, ça fait plus de 5 milliards de francs CFA d'engagement par le district avec des partenaires privés. Tous ces projets sur l'agriculture qui permettront à l'État de Côte d'Ivoire d'offrir du travail à la jeunesse ivoirienne seront en partie financés par la Banque islamique de développement avec un encadrement américain. Le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, est intervenu sur les perspectives de développement agricole de la capitale politique ivoirienne avec des terres et une main-d'œuvre disponible. Une organisation mise en place par le district de Yamoussoukro pour réhabiliter les vieilles plantations de café et de cacao, pour développer le riz, la banane, l'igname, le maïs et plusieurs produits vivriers et créer de véritables entreprises autour du secteur agricole. Au-delà de Yamoussoukro, il a ajouté, c'est la Côte d'Ivoire qui va développer son agriculture sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Un projet apprécié par les partenaires au développement. Avant l'intervention ivoirienne, rappelons que sont intervenus les anciens présidents mozambicains Joachim Alberto Kisano, John Kufuor du Ghana, respectivement président des fondations qui portent leur nom. Ils ont parlé de leurs expériences pour lutter contre la faim et la pauvreté dans leur pays, par le développement et la modernisation de l'agriculture qui a été une réussite selon eux.